Dans le royaume lointain de Nzinga, où les épices parfument l'air et les rires des enfants résonnent dans les ruelles, vivait une femme nommée Moyi. Connue pour ses rondeurs joyeuses et son amour pour la bonne chair, Moyi était une figure emblématique du village de Kiyenga. Sa réputation de fainéantise n'était surpassée que par celle de ses talents culinaires, qui faisaient saliver même les plus réticents. Un jour, le roi Nzinga annonça un concours de cuisine dont la gagnante aurait l'honneur d'épouser son fils le prince Tagi. Ce dernier, connu pour son goût pour les femmes élancées, n'avait jamais posé les yeux sur une femme comme Moyi. Mais le destin, aussi imprévisible qu'une épice exotique, avait d'autres plans. Moyi, poussé par les encouragements de ses amis, décida de participer. Elle concocta un plat si envoûtant que les villageois en furent hypnotisés. Sans le savoir, il dégustait de la chair humaine qu'il confondait avec de la viande de brousse. Moyi remporta le concours au la main, mais la vérité finirait par éclater. Moyi, avec ses mains habiles, plongea dans son sac d'épices, libérant des arômes qui dansaient dans l'air comme une promesse de bonheur. Les villageois, attirés par l'odeur enivrante, se pressaient autour de son stand leurs yeux brillants d'anticipation. Le prince Taji, élégant dans sa tunique de soie, observait la scène d'un œil sceptique. Il ne pouvait cacher son étonnement face à l'assiette de Moyi, où la viande luisait sous le soleil de midi, aussi mystérieuse que les forêts de brousse qui bordaient le village. Le roi Nzinga, un homme robuste au sourire contagieux, annonça le début du concours. Les tambours retentirent et les flammes des fourneaux s'élevèrent comme des dragons affamés. Moïse, sans un mot, se mit à l'œuvre, ses gestes aussi fluides que la rivière qui traversait Kiyinga. À mesure que le temps s'écoulait, les plats des concurrents prenaient forme, mais aucun ne semblait rivaliser avec la création de Moï. Sa recette secrète, transmise de génération en génération, était sur le point de changer sa vie à jamais. Lorsque le moment de la dégustation arriva, le silence se fit. Le prince T'agit, d'abord réticent, Fut conquis par la première bouchée. Le goût riche et complexe de la viande le transporta dans un monde de saveurs qu'il n'avait jamais exploré. Alors que le soleil déclinait à l'horizon, teintant le ciel de Nzinga de couleurs flamboyantes, Moïse se tenait devant la foule, son plat triomphant devant elle. Les murmures d'admiration ne tardèrent pas à se transformer en applaudissements frénétiques. Le prince Taji, son palais encore émerveillé par les saveurs inconnues, s'approcha de Moïse. Ses yeux, habitués à la finesse des silhouettes de la cour, découvrirent une beauté différente dans les formes généreuses de la cuisinière. Il y avait quelque chose d'irrésistible dans sa présence, une force tranquille qui le captivait. Votre plat est remarquable, madame, dit-il, sa voix trahissant une curiosité sincère. Quel est votre secret Moyi, d'ordinaire si bavarde, garda le silence. Elle savait que la vérité sur son ingrédient mystérieux pourrait semer le chaos. Elle se contenta de sourire, un sourire qui cachait bien des histoires. Les autres prétendantes, éclipsées par le succès de Moïse, chuchotaient entre elles, leur regard lancé vers la gagnante trahissait un mélange de jalousie et d'admiration. Elle savait que le concours était terminé avant même qu'il ne commence vraiment. La nuit tomba, et avec elle, la cérémonie de clôture. Le roi Nzinga proclama Moyi victorieuse, et la nouvelle de son mariage imminent avec le prince Taji se répandit comme une traînée de poudre. Mais alors que les festivités battaient leur plein, un vieil homme, le sage du village, regardait Moyi d'un œil perçant. Il sentait que quelque chose n'était pas tout à fait normal. La lune brillait haut dans le ciel étoilé de Nzinga, veillant sur le village endormi. Moyi, dans sa modeste demeure, ne trouvait pas le sommeil. Les événements de la journée tournaient dans sa tête comme les épices dans son mortier. Le sage du village, un homme vénérable aux yeux aussi profonds que les anciens puits, avait demandé à lui parler en privé. Moyi, avait-il commencé, sa voix aussi douce que le vent dans les feuilles, le succès est un fruit délicieux, mais il peut cacher le verre de la vérité. Moyi l'avait écouté, son cœur battant la chamade. Elle savait que le sage soupçonnait quelque chose. Votre plat, continua-t-il, il avait un goût que je n'ai rencontré qu'une fois dans ma longue vie, et ce n'était pas dans la chair d'un animal. Dans le palais royal, le prince Taji se tenait à son balcon, regardant les étoiles. Il pensait à Moïse, à son plat extraordinaire, et à la vie qu'ils allaient partager. Mais une question le taraudait. Pourquoi avait-il ressenti une telle émotion en goûtant sa cuisine Était-ce simplement le talent de Moïse, ou y avait-il autre chose Pendant ce temps, dans les rues sombres de Kiyinga, des murmures se faisaient entendre. Des histoires circulaient, des légendes anciennes sur des mets interdits et des cuisiniers qui osaient franchir les limites du tabou. Les villageois, d'abord séduits par la victoire de Moïse, commençaient à se poser des questions. Au matin, le village s'éveilla avec une tension palpable. Le Rwanzinga, ignorant les rumeurs, préparait les festivités du mariage. Mais le sage, avec ses mots énigmatiques, avait planté une graine de doute qui ne tarderait pas à germer. À l'aube, alors que les premiers rayons du soleil perçaient la brume matinale, le village de Kiyenga s'éveillait lentement. Moyi, les yeux cernés par une nuit sans sommeil, se préparait pour les festivités à venir. Mais son esprit était ailleurs, hanté par les paroles du sage. Le prince Tagis, quant à lui, se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant sa tenue avec une précision royale. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Moïse, à son sourire énigmatique et à la magie de sa cuisine. Une part de lui désirait ardemment découvrir le secret de son plat victorieux. Dans les rues, les villageois chuchotaient, leur voix se mêlant au claquement des tambours et au chant des célébrations. Les histoires du sage avaient semé une curiosité brûlante parmi eux. Quel est donc ce goût si particulier dans le plat de Moïse se demandait-il. Le roi Nzinga, fier de sa filleule, ignorait les rumeurs qui couraient. Pour lui, ce mariage était l'union parfaite entre tradition et innovation, entre le vieux et le nouveau. Il voyait en Moïse non seulement une cuisinière hors pair, mais aussi une femme capable de régner à côté de son fils. Pendant ce temps, le sage se tenait à l'écart, observant la scène avec une gravité silencieuse. Il connaissait les légendes de Nzinga, les récits transmis par les ancêtres sur les plats interdits. Il savait que la vérité devait être révélée, pour le bien de tous. Alors que la journée avançait, la tension montait. Les festivités battaient leur plein, mais le doute s'insinuait dans les cœurs. Le mariage approchait, et avec lui, la révélation qui pourrait bouleverser le destin de Moïse et du royaume tout entier. Le prince Taji, habituellement si serein et maître de lui, se trouvait désormais au cœur d'une tourmente intérieure. Les rumeurs, telles des serpents insidieux, s'étaient faufilées dans les couloirs du palais, murmurant des vérités cachées et des secrets interdits. Votre Altesse, avez-vous entendu ce que l'on dit osa demander un serviteur, son regard fuyant trahissant sa propre incertitude. Taji le fixa, ses yeux noirs comme la nuit sans lune reflétant un conflit silencieux. Les rumeurs ne sont que l'écho des peurs du peuple, répondit-il d'une voix calme, mais son cœur battait à un rythme effréné. Il ne pouvait ignorer les mots du sage, ni les chuchotements qui se propageaient avec la rapidité d'un feu de brousse. Et si c'était vrai Et si le plat de Moïse Sa pensée resta inachevée, trop terrible pour être formulée à voix haute. Le prince se retira dans ses appartements, cherchant refuge dans la solitude. Il contempla le portrait de Moïse, accroché près de son lit, son sourire radieux encadré par les ténèbres de la rumeur. Qui es-tu vraiment, Moïse murmura-t-il, espérant que les murs lui répondent. La nuit tomba, et avec elle, une décision se forma dans l'esprit de Taji. Il devait découvrir la vérité par lui-même, avant que les liens du mariage ne scellent leur destin. Demain, il irait à la rencontre du sage, prêt à affronter les ombres du doute. Moyi, dont le nom était autrefois synonyme de joie et de gourmandise, se retrouvait désormais enveloppée dans un voile de suspicion. Les murmures du village avaient atteint ses oreilles, et chaque regard posé sur elle semblait lourd de doute. Elle marchait à travers les rues de Kiyinga, son pas autrefois léger désormais alourdi par le poids des soupçons. Les visages familiers qu'elle croisait détournaient le regard, comme si la vérité pouvait être lue dans ses yeux. Moyi, est-ce vrai l'interrogea une vieille amie, sa voix tremblante trahissant la peur de la réponse. Moyi ne répondit que par un sourire triste, son silence éloquent plus éloquent que mille mots. Le soir venu, alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel, Moïse s'assit seul dans sa cuisine. Les ustensiles et les pots d'épices, témoins de sa passion, semblaient la narguer. Comment en suis-je arrivée là se demanda-t-elle, ses mains tremblantes malgré elle. Lorsqu'elle apprit que le prince Taji lui-même doutait d'elle, son cœur se serra. Elle avait vu dans ses yeux une lueur d'admiration, peut-être même de tendresse. Mais désormais, cette lueur risquait de s'éteindre sous le souffle froid du doute. Moly prit une décision courageuse. Elle ne laisserait pas les rumeurs définir son destin. Le lendemain, elle irait à la rencontre du prince, prête à révéler son secret et à affronter les conséquences. Car elle savait que seule la vérité pourrait libérer son cœur et celui de Taji.